Salut, salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Japap et du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Hey. Nous sommes là, non, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur nu et dur. Ah ouais. Nous sommes là, non, nous allons parler du conseil d'Arcel Mérite, du passage d'Emma et aussi de la chanson qu'il a chanté avec Emma dans l'album. Parce que je vous ai promis qu'à partir du on devait décortiquer les chansons là. Parce que ces chansons-là ont des messages qu'il a passé. Soit à Kimi, soit à tout. Vous-même, vous allez analyser et dire passer de ces chansons. Le gars là. En tout cas, vous allez connaître qui est Emma. Emma, c'est cette petite fille de taille. Bon, elle est un peu, mais. Petite de taille avec cette jolie voix. Je veux dire que c'est la meilleure chanteuse du Gabon pour moi. Elle est devant Créole, mais de loin même. De très loin. Je suis désolé, hein, Créole. Tu es ma croche, oui. Tu es jolie, tu es là maintenant. Mais musicalement parlant, je pars avec Emma. Oui, c'est celle qui avait quitté la Côte d'Ivoire, qui va s'installer. Elle avait quitté le Gabon plutôt. Ah, moi aussi, hein. C'est la voix d'Emma là qui m'embrouille déjà comme ça. Elle va s'installer en Côte d'Ivoire. Elle a fait un Diana Bouli. Koro, il n'y a pas d'opportunité au Gabon. Les Gabonais ne valorisent pas son talent et tout et tout. Elle a fait un peu, à peu près ce que l'autre a fait, Diana Bouli. Mais après, elle est sortie. Les Gabonais sont fâchés que ouais, comment elle peut dire ça? Elle est sortie pour démentir. Oui, regardez. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un peu malformation de mes propos. Yeah, mais ouais. J'ai pas dit qu'il y a que des opportunités en Côte d'Ivoire et qu'il n'y en avait pas au Gabon. Il ouais. y a des opportunités partout. C'est clair. Je vais un c'est peu clair. Partout, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Que justement. Je... Bon, vous avez vu, elle était obligée de sortir et rectifier. Oui, bon, c'est ça. Bon, son passage au truc, au casino. Ouais, la présentation, c'était comme ça. Regardez. L'animation te bénisse pour cette voix extraordinaire, cette voix sublime, cette voix extraordinaire. Emma, c'est Emma. Emma. Oh, j'aime trop le temps. Dites-nous Emma, s'il vous plaît. Aïe, la chanson qu'elle a chantée avec Arcel. Le titre, c'est Encore. Encore. La fille, si, ouais. La voix là. Si vous n'avez pas encore suivi l'album d'Arcel, allez suivre. Pour ceux qui ont suivi l'album, si vous avez suivi, on devait décortiquer ici ensemble. Mais néanmoins, je vous donne ma manière de décortiquer ça. Ah oui, oh, très belle chanson, c'est parmi mes meilleures. Hein. Mais il y a la chanson qui est en train de prendre plus d'ampleur là-bas, c'est Beaucoup d'argent. Hey, beaucoup, le titre Beaucoup d'argent, là où Arcel dit qu'il l'aime parce qu'il a beaucoup d'argent. Ouais. Le titre là, ça en train de remporter, hein? Oui, je suis plus de vues. Ouais. Bon, encore, c'est Emma qui entre. Bon, c'est supposé que Emma là, qui entre là en train de parler là, elle parle au nom, peut-être c'est bon. C'est Kimi quoi. Ou, tout, vous allez déduire. Oui. Voilà. Donc, Emma entre et dit ceci. Combien de fois je vais dire tes bêtises et tout. Hein? Je fais seulement un résumé, hein, vous comprenez un peu, non? Parce qu'on ne va pas faire ça parole par parole. Si on mettait la musique, c'est là où on pouvait même aller parole par parole. Je vais seulement un résumé. Oui. Combien de fois j'ai fermé les yeux sur sur mes doutes, quoi? Donc mes trucs. Tes petites bêtises là, tes trucs que tu fais là, oui, les petits dents, les tromperies, vous comprenez un peu, non? Combien de fois je vais fermer les yeux sur ça? Hein? Je sais que tu me trompes, mais combien je ferme les yeux, mais combien de fois? Arrivant au moment là, on se fatigue. L'homme se fatigue, l'être humain se fatigue. Hein? Donc, il dit donc que c'est fini entre nous. Oui, j'ai déposé les armes. Je dis non, je combat là, c'est à trop. Non, je ne peux plus, hein, Arsou, je ne peux plus, le combat là est fini, j'ai déposé les armes, vous comprenez un peu, j'ai été trop bête, oui, qu'elle a été trop bête, ouais, elle a déposé, pour moi c'est fini, hein, tu me trompes encore et encore, tu veux que tu me trompes encore et encore, il est là,
Dis-toi, mon frère, dis-le voir comment tu es avec les filles, tu t'affiches avec les filles, encore et encore. Elle est là et te regarde. Non, ça en est trop. Oui, elle a décidé de partir. De partir. Elle s'est partie. C'est là où Axel entre maintenant. Au lieu de venir calmer que ouais, ma chérie, ça va aller, ouais, je te promets, non, ça va plus. Parce que Axel dit non. Emma, tu vas t'habituer, que tu vas t'habituer. Ouais, tu vas t'habituer. En venant, tu savais, tu connaissais comment ton homme était. Hein? C'est quoi, non? Tu vois, sauf que t'habituer, hein? C'est que j'aime toucher les autres femmes. Mais c'est toi, hein, mon amour. Hein, mon amour, tu es. J'aime toucher d'autres femmes, mais mon amour, tu es. C'est toi, mon amour. Hein? Oui, c'est ça. Hein, tu veux comment? Tu viens dans... Quand Assez disait souvent dans les blagues qu'il est polygame, là, on pensait que c'était la blague. Hein? Moi, je me disais toujours que Assez est polygame. Assez, c'est un bantou. Je viens de vous dire ça, que c'est un polygame. Laissez les histoires que wow, Axel a dit à tel. Axel, il a, tel vous a dit qu'il ne peut pas gérer toutes ces femmes-là. Hein? Oui. Je sais que tu as mal, mais ça va passer. Oui, que tu es déjà habitué avec ma tromperie. Hein? Tu es déjà habitué. Mais c'est quoi, non? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu changes subitement? Tu es habitué à mes tromperies, là, non, chérie? C'est comment? On gère seulement. C'est que c'est toi que j'aime. On sera tu comme ça là. Un temps ça sera Linda ici là, ça sera Erika, ça sera machin. Mais toi-même tu sais que c'est toi qui a mon cœur, qui détient mon corps, mon cœur. Hein? Toi et moi on va sauf que continuer dans le même rythme. Oui. Est-ce que je peux changer? Tu vas me changer comment? Non. Emma, tu vas me changer comment? Oui, on va sauf que continuer comme ça. Parce que mais je suis comme ça. Oui, et tu savais que j'étais comme ça. Hein? Après, il dit, je suis désolé de te tromper encore et encore, mais je ne peux pas changer ma manière d'être. Hein? Je te trompe encore et encore. C'est ça, notre rythme de vie. On va faire comment? Donc, d'où le titre encore. Oui. L'autre dit, tu me trompes encore et encore. Arsène dit, oui, je sais, je te trompe encore et encore. Hein? On va faire comment? Tu vas t'habituer. Tu es venu, il y avait déjà cette mêlée-là. Il y avait déjà ça. Maintenant, tu veux quoi? Maintenant, c'est que maintenant que tu l'es, maintenant que tu veux le changement. Ouais, ma chérie. Hein? On va sauf que continuer dans le même rythme. Tu sais que c'est toi que j'aime, non? Tu sais que c'est toi. Hein? Donc ne t'embrouille pas. C'est toi que j'aime. Hein? C'est quoi le projet? Je me lève un bon matin. Oh, je suis fatigué. Oh, je dépose les armes. Tu déposes quelles armes? Non, 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 non. Tu vas sauf que lutter jusqu'à la fin. C'est comme ça. C'est jusqu'à la gare. Hein? Le combat là, c'est jusqu'à la gare. Ouais. Et la famille. J'espère que vous avez pu relationner le message que Arcel transmet dans la chanson aussi là. Hein? Vous avez pu relationner ça. Soit c'est avec Kimi, soit c'est avec tout. Ou bien vous allez dire, certains vont dire que non. Il parle de manière générale. Mais non, cet album-là parle de lui d'abord. Vous comprenez? De sa vie. Quoi? Cet album. Demain, je vais vous décortiquer un autre titre. C'est là où vous allez comprendre. L'autre, le titre qu'on va décortiquer, c'est ça. Tu reviendras. Oui. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Regarde là. Hein. Axel, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Bisous et à sa fonte. Surtout, ne mettez pas les organes. Oui. On va parler de tu reviendras demain. Et je vais aussi vous parler de la position de tout dans tout ça. Ouais.